Eh bien oui, bienvenue sur ET Éternel, en ce vendredi 24 novembre 2017, pour W86, et quand je bouge l'écran, ça coupe. Le vendredi, c'est en mi, c'est si mi. Là, c'est quand tu t'interroges franchement dans ta semaine d'accordage, A, B, C, D, E. Comme ça. Hier, jeudi, c'était en ré, génial. Tiens, c'est pour moins de 2 ans que j'ai pas passé une bonne journée comme ça. Inter qui s'appelle. Bonjour. Vous allez bien? Ça va? On peut aller, bonjour. Inter qui s'appelle. C'est génial. Ce matin, temps de parole et tout. Je commence à avancer dans l'espace-temps. Et l'après-midi, conférence sur les femmes enceintes avec l'alcool et puis la drogue. Les bonnes femmes, les. Ah, c'était des tronches. J'ai essayé de mettre un film là, mais hier ça n'a pas voulu connecter. Là non, il y en a un qui doit tourner. Bon, alors le vendredi, la 5e semaine du réveil de l'esprit, de tentative de réveiller vos esprits morts, les 90% du cerveau qui ne vous servent à rien, le vendredi, t'es en mi. Ça veut dire c'est toi. C'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. La température extérieure est de 16 degrés. Tout ira bien dans l'espace-temps si j'arrive à réveiller le bordel, à rassembler tout le monde. L'histoire de religion, tu sais, en fait, il n'y a personne qui n'a rien compris à Dieu. C'est directeur d'induction d'énergie universelle. Arrive au moment où c'est les machines qui prennent le pouvoir. Tu comprends? Tu comprends pas. Diable, ça veut dire directeur d'intelligence artificielle bernant l'esprit. Tout ça. Hier, j'étais super content. Après, on a mangé au club nautique. Oui, il y avait au moins 100 personnes. Il y avait au moins. Pas si. Il y avait au moins 10 tables de 10 comme plus. Des professionnels de la santé. Et la conférence, c'était pour expliquer où est-ce qu'ils en sont de la science par rapport au cacheton, la drogue, l'alcool, et pour les femmes enceintes surtout. Ah, ça, franchement, si j'avais su, moi je pensais qu'après on aura encore un temps de parole, tout ça, alors je gardais un peu de batterie, je gardais un peu de mémoire, c'est, et j'aurais pu tout filmer d'un coup. Que la première partie. Quel con, ça m'énerve. Enfin bref, on peut pas toujours tout prévoir, tout savoir. Moi je suis dans mon espace-temps. Ah ouais, c'est ça que je veux dire. Il y a un des psychiatres qui a parlé d'espace-temps. Je le veux celui-là, il me le faut. Au moins, il y en a un qui comprend quelque part, c'est sûr. Après voilà. Moi, je suis allé en tant qu'alcoologue, pas alcoolique anonyme, alcoologue assermenté, je sais pas, j'ai 3 ans. Actif ou autorisé, ce que tu veux. Eh ben, c'était vachement bien parler avec des gens qui ont des tronches. C'est pas mal. Franchement, c'était proche du génial. Une belle journée, le jeudi 23. Jeudi, c'est en ré, c'est en grosse ré publique. D'ailleurs, j'ai un beau petit film à la réserve, au bord de la mer, au bord de l'eau, là, là, là. Oh, c'était cool. Jeudi, c'est en mi. Là, le vendredi, tu arrives à la fin de la semaine, c'est là vraiment que tu réveilles ton esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bocal ou non? Est-ce que c'est moi qui pense? Est-ce que c'est la télé qui me fait penser que? Est-ce que c'est les médias de merde qui bougillent la tronche par pollution électromagnétique et leurs antennes 8G+, bientôt? Ouais, c'est compliqué. Mais j'étais bien content quand même. Ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas passé une bonne journée comme ça.
Voilà. C'est un envoyé spatial pour Keternel. La résonance de l'âme dans l'espace-temps. Chef d'état d'âme, c'est pas facile. Ciel que mardi, enfin 48 ans. Et 5 mois. Que je suis venu au monde. Mais ça fera 5 mois pile que je suis chef d'état d'âme. Et vous ne comprenez pas pour l'instant. J'ai bien espoir. Avant qu'on soit tous irradiés. Voilà. Je suis bipolaire triphasé. À tendance alternative. C'est parce qu'on est entre le 35 et le 37 boulevard de Riquier que je fais une crise de Nice. C'est pour la trilogie de Quintessence. Il n'y a encore personne qui va comprendre. Bon, c'est pas grave. Envoyé spatial pour Éternel. À vous, Cognac, j'ai pas. Voilà. Pache salut, inshallah, almirail. Vous protestez d'homme, vous dites au bétain. Catholman, le catholman, mais non, c'est vrai. Évidemment, tu vois. Brahmo cistercien, tout ce que tu veux, de toute façon. Il faut rassembler tout le monde, mais il faut réveiller les esprits. Il faut réveiller les esprits morts. Remplir vos cerveaux vides, ça je pourrais peut-être pas, mais réveiller vos esprits morts, je pourrais peut-être. C'est ma mission sur Terre. C'est pour ça que je suis envoyé spatial. Il y a quelqu'un dans le bocal. Tu vois. Et voilà. En direct de ce vendredi 24-11 et le 24e jour de novembre, il leur dit. Debout les gars, réveillez-vous!